trade among the sub-region is much less than it is outside the region. Moins de 10%. Le commerce est le moyen le plus sûr pour lutter contre la pauvreté dans la sous-région. Cela dit, il est important de dire que nous devons demeurer vigilants pour faire en sorte que le cadre régional concernant la libération des jeunes n'est pas utilisé pour au détriment de notre industrialisation interne et notre politique de développement. Qu'est-ce que je voulais dire? Une situation qui fait que, à cause de la politique de libération des échanges de la CEDEAO, ceci est manipulé par certains pays pour que les produits puissent rentrer dans leur pays de façon anormale afin de tuer l'industrie locale n'est pas l'intention, si je puis dire, de cette politique. Aujourd'hui, dans le domaine du développement agricole, nous devons résister contre cela et nous devons travailler ensemble pour lutter contre ces failles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, un autre domaine qui aura besoin de notre attention urgente, c'est la question de la migration. Nous devons travailler de façon anticipative afin de changer l'image de la sous-région et travailler main dans la main avec les pays tels que l'Italie, l'Allemagne et l'Europe tout entière afin de trouver des solutions aux défis migratoires. Et je voulais saisir cette occasion pour que l'on puisse continuer le dialogue et l'engagement pour résoudre ces problèmes. Nos délibérations doivent se focaliser sur le fait que nous devons préserver et renforcer la démocratie pour que, vous savez que nos démocraties vivent des moments de profonde mutation à cause des menaces d'instabilité. Mesdames et messieurs, notre partenariat et notre solidarité est nécessaire pour faire face aux multiples défis auxquels nous faisons face. Je suis persuadé qu'à travers le travail du Parlement, nous pouvons travailler contre ces menaces. C'est en travaillant ensemble avec l'appui de cette Assemblée et les assemblées à venir que nous pourrons réaliser les objectifs au niveau sous-régional. Je vous souhaite de fructueuses délibérations dans les jours à venir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, chers délégués. Merci à vous tous, Mesdames et Messieurs.